Tout le monde est prêt? C'est vrai. Alors procédons à l'ouverture du box. La meuleuse, s'il vous plaît. Laissez passer. Ça y est, encore une autre petite ça, c'est palette. Pour Alex. Ça te plaît. Oh là, ça me plaît, moi qui bricole, là. C'est une entreprise de travaux qui a tout laissé, qui était en liquidation, ça. Pourquoi liquidation? Toujours négatif. Mais je suis pas négative. Il y a plein de choses à récupérer. Ouais, ouais. Il y avait des choses qui me parlaient, parce que c'était plein de matériel de travaux, de bricolage. Des éviers, du carrelage. Ça, c'est à mon avis du rouleau métallique. J'ai matière à pouvoir utiliser et revendre. J'avais pas mal de matériel, de plomberie, du matériel neuf, d'occasion, qui était intéressant. Dans la boîte, ça va être une perceuse, une bonne perceuse, quelque chose comme ça. Je vais prendre un risque, mais un risque qui va pas dépasser les 500 euros, je pense. Maximum. Alors, c'est bien si tu veux réparer tes toilettes ou les changer. Ouais. Mais bon, moi, je verrais bien Jérémy Plombier, tu vois. Ouais, moi, je te verrais bien remplacer des tuyaux, changer des lavabos et tout. Je te jure, tu sais quoi, ça t'irait super bien. Encore un box bien pourri. Moi, je trouve que ces palettes sont ravissantes. Tu touches à une palette, je te coupe les doigts. Franchement, rien du tout pour moi, j'ai aucun ressenti. Donc on va faire monter les petits camarades et puis au pire, on le refourguera. C'est un artisan français. Et l'artisanat, tout ce qui est, c'est comme en général, c'est du matériel de qualité. Donc ça coûte assez cher. Là, on va enchérir, ça c'est sûr. Oui, on va enchérir. Moi, comme je suis pas trop bricolé, c'est pas intéressant. Donc on a les sacs de ciment, mais ça c'est ouvert. Tout ce qui est ouvert, c'est perdu. Ouais, si j'arrive à l'acquérir pour un prix dérisoire, qui m'étonnerait beaucoup, j'ai quelques amis que ça pourrait intéresser. D'abord, on n'a pas de prix. Quand ça plaît, il y a le déclic. Soyons fous, allons-y, partons à l'aventure. Tout le monde est prêt? Oui. Alors, on va procéder à la vente de ce box de 9 mètres carrés. Qui me fait une proposition? 50 euros. 50 euros. J'ai preneur à 50 euros à ma gauche. 60. 10. 10. 80. 100. 100. 120. 50. 150. 160. 180. 180. Il n'y a rien qui m'a motivé dans ce box. La seule motivation, c'était de me dire je vais me faire Gilles et Jean-Pierre. 200. 50. 50. 280. Moi, il me fait pas peur. Et en plus, si on peut la squeezer pour être gentil. Quitte à remporter le box, mais c'est pas lui qui l'aura. 300. 300. 10. 10. C'est plutôt la guerre. Chacun a son côté, chacun défend son beefsteak. 500. 500 par monsieur. L'enchère à ma gauche. 510. Une fois, deux fois, 520. 530. Oui, une fois, deux fois, trois fois, 540. 550. 560. C'est 560 contre vous, 580. C'est 180 euros le robinet. 600. 600 l'enchère en face de moi, ni à droite, ni à gauche. Il n'y a pas preneur au-dessus de 600. Non. Je laisse. Pas de regret. Alors j'allume à 600 en face de moi. Bravo. Et la clé. Bravo. Faut savoir quoi faire avec. Hein. Je le donnerai en troc à des copains qui sont carreleurs, plombiers. Et le jour c'est rendu, ils me rendront l'appareil. C'était son box, hein? Avant de te faire saisir. Donc tu sais ce qu'il y a dedans. C'est vrai. Quand il y a la cam qu'il faut, Jean-Louis sait se positionner et sait prendre le dessus sur tout le monde. C'est un bon adversaire qui, quand il est dans son domaine, excelle. Bon, voilà, voilà. Ah là là. Très bon. J'ai la belle palette à sortir pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Je vais aller chercher la transpalette et puis on va voir ça de près. Ça sera déjà mieux, toi. Bon. Donc, on avait l'aspirateur tout à l'heure qu'on apercevait. Ouais, c'est un truc de professionnel. Ça vaudrait dans les 250-300 euros, à mon idée. Les sous. C'est un grand mot, ça. Là, on a le matériel, ouais, c'est... Ouais. Ça part direct à la ferraille. Ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Une découleuse à papier, ça serait. Ça, c'est 30 euros. Là, c'est bon. Le truc, il est cassé, là. Pauvre bête.
Donc là, on va avoir des pots de peinture, des diluants. Primer, d'accroche, ouais. Pour coller ton parquet, tout ça. 10, 20 euros. Ah, c'est du matériel neuf. Bon, c'est pas du grand œuvre. Et ça peut repartir pour 10 euros le carton. Comme je ne suis pas de la profession, c'est pour ça que je vais faire venir des amis qui sont plus de métier que moi, que eux, ils me diront ce que ça vaut. Ah, bon. On va le laisser là pour ce soir. Je vais appeler un spécialiste. Il me dira ce qu'il en pense. Et puis, rien que la palette, on fera déjà la culbute. L'argent, c'est allégatoire. On gagne ou on perd.